Ladies and gentlemen, et surtout mesdemoiselles, ce soir devant vous, le plus grand numéro de sorcellerie rose du monde, que dis-je du monde, de la galaxie. Voyez-vous, depuis des années, je cherche à coudre les rêves et la réalité en un seul et même tissu de mensonges excitants. J'ai commencé par truquer des photographies, mais il me manquait le plus important, le mouvement. L'art cinématographique est chamanique. On peut redresser les ombres, les convoquer, tout devient possible. Bientôt, on pourra faire revenir les morts avec cet outil. C'est le meilleur remède anti-mélancolique disponible en ce bas monde. Ladies, 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 and ladies! Vous allez voir le tout premier film tourné en cinématographe, et il ne pouvait être question que de la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Aussi, je dois rendre grâce à l'homme qui a déclenché en moi l'ultime déclic pour faire fonctionner l'appareil à faire bouger les images. Je vous présente à ma gauche, Jack, l'homme horloge. 50 kilos d'os, certi d'engrenage croustillant, recouvert par une fine couche d'épiderme sucré de taches de rousseur, plus succulentes les unes que les autres. Et il a un cœur, mesdames et mesdames, gros comme une horloge. Et c'est d'ailleurs en essayant de la réparer, en trafiquant ses engrenages, que j'ai enfin compris comment terminer mon invention. Et maintenant, bon film. T'as pleuré, toi? Non, pas du tout.